de Manchester. Il fait froid là-bas. Tu as des gosses, du coup, j'ai entendu des petits chez toi hier. En fait, c'est la voisine, pour ceux qui viennent d'arriver. C'est notre voisine. Elle a entendu les gosses. Elle me demande si j'ai des gosses. Qu'est-ce qu'elle veut savoir, celle-là? Attention, madame. Il y aura un cadeau pour la commu, comme d'habitude. Ouh, magnifique ça. Continue sa progression. Comme d'habitude, il faudrait De être ma là. vie. Ouais, une, deux. Ah, c'est bien défendu. Attends, est-ce qu'il y a un atout à mettre pour faire des retournées ou c'est comment là? Parce qu'à chaque fois je tente là. Ah, allez, la volée peut-être. Oh! Voilà le coup de tonnerre! Voilà le coup de tonnerre qu'on attendait! Juan Carlos Rico, mesdames et messieurs! Oh là 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 là, damn! Ok, je vois, c'est cool. Si tu as envie de te changer les idées, laisse-les à la nourrice et passe me voir ce soir! Parce qu'en fait, vous êtes trop focus sur est-ce que Rico va faire une dinguerie. Mais imagine, la dinguerie vient pas de Rico, mais elle vient de la nourrice. Sachant que Rita se vend Poucave. Ah, peut-être aussi, peut-être, peut-être. Ah, il y en a, ils sont C'est un malins. ballon perdu. Imagine les gosses, ils Poucave. Tonali. Ils vont dire à Rita, ouais, il nous a laissé avec une nourrice, il est parti voir la voisine. Oh là 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 là! Juan Carlos Rico! Comme à son habitude! Le cata! C'était incroyable, hier j'étais au 7ème ciel, on remet ça quand tu Ouais les gars, encore vous! Je vous applaudis. On applaudit le chat les gars. On applaudit le chat les gars. Max, maximum d'émojis, applaudissements s'il vous plaît. Let's go, let's go, let's go. Bravo. Bravo, bravo, bravo. De pire en pire, mais bravo les gars, bravo. Ouais, super. Oublie la PS5. Oublie vite la PS5. Oh là 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 là. Bravo. Il a dit tu as bien Ken. Les gars, les émojis applaudissements les gars s'il vous plaît. Oh là là, c'est grave. C'est grave. Tout le temps dans les pièges. Voilà. C'est la vie. Là, sur le ballon. Oui. Ouais, c'est joué. Garçon! Elle est magnifique cette fois. Oh, elle est magnifique. J'aime trop ce genre de reprise de volée statistique. 120 000 abonnés sur le compte qui se poursuit. Gaming Ouais, TikTok. la volée en première Magnifique cette position. passe. Pff, oh là 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 là. Reprise magnifique. Je vais m'abonner carré. Tout a l'air carré dans l'axe. Alors, Nike voudrait que tu fasses le reste de la saison avec des Nike fantômes pour 8 millions d'euros. Est-ce que tu es partant? Wesh! C'est généreux, il m'a trouvé un partenariat là. 8 millions d'euros pour que je porte des Nike fantômes. Là, on a des Nike. On a quel Nike là? On a celle-ci, regardez. On a celle-ci là. Et les Nike fantômes, les gars, ça serait celle-ci. Je suis en train de jouer à Rico. Je pense à faire. Je me dis Le putain, je Barça, dois avancer dans telle carrière, tout en etc. Là. laissant Tu sais, je me mets attendre la la pression pour volée. rien en fait. Oh! On se met la pression pour rien à vouloir tout faire en même temps. Donc là, demain, soyez là. Ce sera incroyable. Attends, pas si vite. Qui est sur ton fond d'écran? Comment tu connais cette fille? Comment ça? Qu'est-ce qu'on dit à Gennaro là? On lui dit la vérité ou pas? C'est ma voisine. Je l'ai trois petits points. Ou mentir. Putain. Et quoi, il va apprendre que c'est La course, sur il un se autre sent jeu, frère. prédisposé à donner son ballon. Centre peut-être, allez. Oh Rico! Depuis qu'il a fait des choses avec elle là, je le sens libéré sur le terrain, tu vois. Il se trémousse, il se balade. Ça fait plaisir. Merci Rico. Chercher l'ouverture, bien sûr. Et
Vas-y, rentre. Oh non. Oui, il est pas hors-jeu. Oh oh. Juan Carlos Rico. Let's go. Let's go, monsieur Rico. Je n'ai aucune idée, Saito. Il peut pas savoir, il connaît pas l'URP. Bah oui, je connais pas l'URP, moi, oui. Faut m'agresser ici, là. Ne le dis pas à ta mère. Mais c'est ma fille. J'ai été piégé par sa mère quand j'étais à Manchester City. 9 mois après, j'apprends qu'elle avait accouché d'une fille. Ne me dis pas que t'as couché avec ta sœur. Wow. Wesh. Réponds à cette putain de question, il a dit. Oh là là. Oh, je suis choqué, les gars. Il a baisé sa russe. Non, là je suis choqué. Comment vous avez pu ne pas deviner? Oh là 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 là. Pour raconter l'histoire, les gars. Gennaro a connu Mélina. Il s'est passé ce qui s'est passé. Il lui a brisé le cœur. Elle s'est barrée à Barcelone. Écoutez bien l'histoire. Elle s'est barrée à Barcelone. Ensuite, tout le monde voulait que j'aille à Barcelone pour sortir avec Mélina. Et après, on a dit non, on va signer à Manchester City. Elle a pris le seum, elle a signé à Manchester City. Elle nous a piégés. On a couché avec elle. Elle a filmé une sextape. Et je pense que là, il n'y avait pas de capote. 9 mois après, il y a eu un enfant apparemment qu'on n'a jamais vu. Là, on a appris qu'elle était morte. On a appris que celle-ci, c'était sa fille. Mais comment vous avez pu ne pas deviner? Oh là 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 là, je suis choqué. En plus, à un moment, elle a dit, je pars à Manchester pour voir des amis. Bah oui, les gars, c'était logique. Putain de merde. Oh, je suis choqué. Il a couché avec sa sœur, gros. Il y avait trop d'indices. Bon, les refs. C'est la fin de l'épisode. Je suis choqué. Vous allez dormir avec le fait qu'on a couché avec la... Il a couché avec sa sœur, gros. Putain de merde. Sa demi-sœur. Sa sœur, quoi, en fait. Le sida va fuiter. Bon, vas-y, les gars. Bonne fin de live. On se retrouve demain à 17h. Et ça va très bien se passer. Ou pas.